vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sombo, est en Côte d'Ivoire depuis hier. Il a échangé ce mardi avec le président Alassane Ouattara. Au menu de la rencontre, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est une première en terre ivoirienne et en Afrique de l'Ouest. Le plus grand avion commercial du monde, Airbus A380 de la compagnie Air France, s'est posé ce soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Plus de 500 passagers étaient à bord. Journée cruciale ce mardi pour les manifestants en Ukraine avec la démission du Premier ministre et l'abolition des lois anti-contestation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. En visite officielle en Côte d'Ivoire depuis hier, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Namadi Sombo, a été reçu ce mardi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le compte-rendu de Viviane Aïma. L'acte majeur de la visite officielle de 48 heures du vice-président de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire a été sa rencontre en fin de matinée ce mardi avec le président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence de la Riviera Golf. Le vice-président Mohamed Mamadi Sambo a eu un long entretien avec le chef de l'État ivoirien. Cette visite du vice-président nigérian fait partie des consultations régulières décidées par le cadre de coopération Côte d'Ivoire-Nigéria mis en place et présidé conjointement par le Premier ministre de Côte d'Ivoire et le vice-président du Nigeria. De ce fait, le vice-président nigérian et le Premier ministre ivoirien ont eu une séance de travail au préalable avant cette audience avec le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes convenus de mettre en place un cadre de coopération présidé par le Premier ministre de Côte d'Ivoire et le vice-président du Nigeria. C'est donc à ce titre que Son Excellence, Monsieur le vice-président, a bien voulu venir à Côte d'Ivoire pour effectuer cette visite, échanger avec nous, avec le gouvernement ivoirien sur les différents dossiers qui sont donc traités de manière bilatérale et bien évidemment également pour que nous puissions parler de la sous-région de la CEDEAO. Et je voudrais, au nom du gouvernement, du Premier ministre, du secrétaire général de la présidence, dire à Monsieur le vice-président combien nous sommes honorés de sa visite. Au nombre des sujets examinés, l'intégration sous-régionale et la construction d'infrastructures facilitant cette intégration, notamment le projet d'autoroute internationale Abidjan-Ghana-Togo-Lagos et la construction d'une ligne de chemin de fer. Le vice-président nigérian a exprimé la satisfaction de son pays face aux avancées réalisées grâce au cadre de coopération Côte d'Ivoire-Nigéria. Il a vivement félicité le chef de l'État ivoirien pour l'impulsion qu'il a su donner à l'intégration sous-régionale au cours de ses deux mandats successifs à la tête de la CEDEAO. Nous avons signé dans le domaine de l'économie, de l'éducation, et je suis très heureux de vous dire que nous faisons bon chemin et que nous faisons beaucoup de progrès dans l'intérêt de nos citoyens. Et donc je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde reconnaissance pour le leadership que vous avez donné à la CEDEAO. Et donc la sous-région ouest africaine a connu la paix et le progrès pendant votre leadership, votre présidence de la CEDEAO. Et donc je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, que les différents programmes que vous avez convenu avec votre frère, le président Goodluck Jonathan, surtout en ce qui concerne l'autoroute internationale qui va connecter Lagos, Lomé, Togo, Ghana et la Côte d'Ivoire, est en bonne voie. Nous avons déjà atteint un niveau très avancé concernant sa mise en œuvre. Et donc nous avons reçu le vice-président de la Banque islamique de développement qui a montré un intérêt très particulier à faire un partenariat avec le Nigeria et aussi un chemin de fer entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le vice-président nigérian assistera à l'ouverture mercredi du forum Investir en Côte d'Ivoire avant de regagner son pays.
Ça y est, et l'histoire le retiendra. Pour la première fois en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, le plus grand avion commercial du monde, Airbus A380 de la compagnie Air France, s'est posé ce soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Bouy. L'avion transportait à son bord plus de 500 personnes, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, marraine de ce vol inaugural de l'Airbus 380 en provenance de Paris. Jet d'eau à volonté pour le baptême de ce premier vol en Côte d'Ivoire de l'Airbus A380, le plus gros porteur au monde. Hormis l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique à avoir ainsi l'honneur de recevoir ce joyau de l'aéronautique française. Cette marque d'estime et de confiance qui vient valoriser son image et ses installations aéroportuaires, la Côte d'Ivoire la doit à sa première dame, Dominique Ouattara, qui a tout mis en œuvre pour que ce projet devienne réalité. L'Airbus A380, le plus prestigieux avion au monde, s'est donc posé ce mardi soir sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouy, avec à son bord la première dame, Dominique Ouattara, marraine de ce premier vol sur Abidjan, et avec également le PDG d'Air France et de nombreux autres passagers. Le Premier ministre Daniel Cablan Duncan, plusieurs membres du gouvernement, Madame Henriette Conan-Bédier, ainsi que plusieurs autres personnalités sont venus célébrer ce premier vol inaugural aux côtés de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être de retour à Abidjan. Nous avons fait un très très bon vol avec un personnel agréable et très compétent. Mais surtout, je voulais dire que je suis très fière que le vol A380, pour la première fois, viennent en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais féliciter les responsables d'Air France pour avoir pris cette initiative qui va relancer le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'Airbus A380, pour l'heure, vient d'effectuer avec succès son premier vol sur Abidjan. Le PDG d'Air France a fait la promesse qu'avant octobre 2014, cet avion assurera un service régulier sur Abidjan. Et puis, la création prochaine d'une desserte régulière d'Abidjan par ce gros porteur va, comme l'a souligné le ministre des Transports Gaoussou Touré, accélérer le processus de délivrance de la certification internationale à l'aéroport de Port-Bouy. Par ailleurs, les travaux pour l'extension de l'aérogare vont démarrer bientôt pour un coût total de 26 milliards de francs. L'arrivée de l'Airbus A380 à Abidjan s'inscrit dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du chef du gouvernement, Daniel Cablan Duncan, juste après l'atterrissage de cet avion qui fait 73 mètres de longueur et 24 mètres de hauteur. Je suis très heureuse d'être de retour à Abidjan. Nous avons fait un très très bon vol avec un personnel agréable et très compétent. Mais surtout, je voulais dire que je suis très fière que le vol A380, pour la première fois, vienne en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais féliciter les responsables d'Air France pour avoir pris cette initiative qui va relancer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je crois, comme la Première Dame l'a indiqué tout à l'heure, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir la A380 qui vient ici à Abidjan. C'est son premier vol, comme l'a souligné tout à l'heure, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Personne à bord. Sont pour la plupart des investisseurs qui viennent pour le forum investir en Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est un élément très important, puisque au total, de ce que je crois savoir actuellement, nous avons plus de 2500 personnes qui ont participé à l'ouverture. Je pense que c'est l'émergence qui commence dès maintenant. Voilà. En plus du Premier ministre Daniel Cablan Duncan, vous avez écouté encore la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Vous l'avez certainement vu à la télévision ce soir, lors de la retransmission en direct sur notre chaîne, l'arrivée de cet Airbus A380. Dans cet élément qui va suivre, notre équipe de reportage présente l'appareil dans les moindres détails. Baptême de l'Airbus A380 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan, ce mardi 28 janvier 2014. La Côte d'Ivoire rentre ainsi dans l'histoire du transport aérien africain en accueillant comme premier pays du continent en dehors de l'Afrique du Sud le plus gros porteur civil long courrier. Cet avion de ligne à double pont a une capacité de plus de 500 places.
S'il est le plus gros avion civil de transport de passagers en service, l'Airbus A380 est le troisième gros avion de l'histoire aéronautique. Le coût de développement du projet se chiffre à 8 milliards d'euros, soit 5 240 milliards de francs CFA. Le projet a été lancé en 1990 et le premier vol commercial s'est déroulé le 25 octobre 2007. C'est à bord de cet avion que 200 opérateurs français se sont rendus à Abidjan dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire. Un signal fort pour la plateforme aéroportuaire ivoirienne qui, selon le ministre des Transports Gaoussou Touré, décrochera la certification de l'aviation américaine avant la fin de cette année. L'avion que vous venez de voir transportait à son bord 200 opérateurs économiques venus prendre part au forum Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014. Depuis ce matin, on enregistre l'arrivée des participants, dont le premier ministre burkinabé et le premier et le vice-président ghanéen. L'ICI 2014 s'ouvre demain à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. C'est une opportunité pour les autorités ivoiriennes de présenter les secteurs économiques porteurs. Plus de 2000 investisseurs sont attendus ce mercredi. Et sur place en Côte d'Ivoire, les investisseurs se mobilisent. 50% d'entre eux participent à l'ICI 2014. Noël Nyagno. ICI 2014 ou investir en Côte d'Ivoire, 10 ans après la dernière édition, le gouvernement remet le couvert. Les fondamentaux restent les mêmes. Un rendez-vous pour promouvoir et rendre visibles les opportunités d'investissement de la Côte d'Ivoire auprès des partenaires financiers et industriels de Côte d'Ivoire et ceux venus des 5 continents, avec une particularité pour la présente édition, un investisseur sur 2 est ivoirien. Un discours. Les Ivoiriens ont compris l'intérêt d'être entrepreneurs et donc de développer eux-mêmes leur pays. S'il y a autant d'inscrits de privés ivoiriens, c'est que les Ivoiriens croient maintenant à l'avenir de leur pays. Et on ne peut construire un pays économiquement qu'avec les nationaux. Ces privés ivoiriens soucieux de participer au développement de la Côte d'Ivoire, comme ceux venus d'ailleurs, auront 4 jours pour nouer des contacts et des partenariats, participer à des conférences de haut niveau, échanger, concrétiser leurs projets à travers des rencontres B2B. Résultat de fin de course, se convaincre que les meilleures opportunités d'investissement, c'est vraiment à ICI 2014, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Encore un mot d'économie et ce sera avec Adama Kone. Il revient sur le partenariat public et privé, une voie sur laquelle le gouvernement ivoirien s'engage pour faire face aux besoins de financement des investissements. Pendant ce forum, Investir en Côte d'Ivoire, plusieurs projets seront présentés aux hommes d'affaires. Le secteur privé semble prendre de plus en plus de place dans le cœur des autorités ivoiriennes. En plus d'être reconnu comme le moteur de la croissance économique, l'État le sollicite pour l'accompagner dans la réalisation de projets d'intérêt général à impact direct sur la vie des Ivoiriens. Le partenariat public-privé, PPP, est plus que jamais sur les rails. C'est une option qui est connue dans le monde, qui permet éventuellement aux États de recourir aux services privés pour pouvoir financer le programme de développement. Donc, ce mécanisme assez spécifique qui permet de réduire les risques en matière de conception, de construction, d'entretien et d'exploitation des services publics permet de répondre aux préoccupations des populations. Le forum Investir en Côte d'Ivoire constitue donc un bon marché pour l'État ivoirien qui se lancera dans une opération de séduction des investisseurs. Dans le cadre d'ICI 2014, il est dans les questions de présenter ces 35 projets au public et au secteur privé. Donc je voudrais dire qu'à peu près 30 projets seront présentés exactement. 30 projets présentent en moyenne 3 000 milliards de francs CFA dans divers secteurs. Donc l'énergie, les transports, l'infrastructure, le commerce, le tourisme, l'agriculture. Le modèle PPP est en application en Côte d'Ivoire depuis 1960 avec la Convention de gestion de l'eau potable. Ont suivi, entre autres, les contrats d'Azito, Aéria, Ciprel 4, troisième pont. Aujourd'hui, il s'agit de passer à une vitesse supérieure dans la collaboration entre l'administration publique et le secteur privé.
Je vous le disais en début de journal, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Nabadi Sombo, est en Côte d'Ivoire. Il a visité ce mardi la société ivoirienne de raffinage en compagnie du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le vice-président du Nigeria voulait s'imprégner des capacités de production de la CIE, surtout avoir une idée de la haute technicité et de performance des installations de la société. Cette visite du vice-président de la République fédérale du Nigeria et le premier ministre ivoirien à la CIE s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. La visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire du vice-président nigérien a été l'occasion pour lui de faire avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan un large tour d'horizon des questions bilatérales et de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Le Premier ministre et son hôte, le vice-président, Mohamed Namadi Sambo, ont constaté avec joie la convergence de vues existant entre les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Nigeria sur les questions sous-régionales et internationales. À l'occasion des échanges qu'ils ont eus, le vice-président du Nigeria et le Premier ministre ivoirien ont marqué leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Ils ont souligné la nécessité d'un partage d'expériences bénéfiques aux deux pays dans divers domaines, notamment en matière minière, énergétique, agricole et de transformation manufacturière. Ils ont par ailleurs évoqué la possibilité de coopérer étroitement et de mutualiser leurs efforts tant dans l'exploration pétrolière, l'approvisionnement et le développement de l'industrie pétrolière que dans la mise en place d'infrastructures pétrolières adéquates. Ils ont enfin décidé de favoriser des synergies entre les chambres de commerce et d'industrie des deux pays par un projet d'accord en cours de finalisation. S'agissant de la desserte du Nigeria par la compagnie Air Côte d'Ivoire prévue en mars 2014, la partie nigériane a promis examiner la demande ivoirienne avec une attention particulière. Au niveau multilatéral, les deux hommes d'État ont jugé nécessaire que leurs deux pays puissent conjuguer les efforts en vue d'accélérer la réalisation des projets communautaires, notamment le projet d'autoroute Abidjan-Lagos. Avant de quitter Abidjan, le vice-président du Nigeria prendra part, avec la délégation qui l'accompagne, à la cérémonie d'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire ce mercredi. C'était un reportage d'Hugues Hervé Blé. Encore un mot de coopération, cette fois avec le Gabon et la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient d'effectuer une mission au Gabon. Il était porteur d'un message de fraternité et d'amitié du président Alassane Ouattara à son homologue Ali Bongo Ondemba. Fraternité et amitié pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Voilà le résumé des échanges entre le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et le président gabonais, Ali Bongo Ondimba. Cette visite du ministre d'État est suscitée par le président Alassane Ouattara qui tient à raviver les relations entre Abidjan et Libreville. Nous avons souhaité donner un coup d'accélérateur à l'axe Abidjan-Libreville. Vous connaissez la tradition de nos liens et donc j'ai été instruit de quelques actions à mener pour que cela devienne réalité. L'audience a permis de faire un tour d'horizon des sujets d'actualité et d'évoquer les assises du prochain sommet de l'Union africaine. Ahmed Bakayoko a saisi ce moment pour saluer les efforts consentis par Ali Bongo Ondimba dans le processus de normalisation de la crise centrafricaine. Retour en Côte d'Ivoire et je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Tous les fonctionnaires sans poste de travail sont conviés à une rencontre avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative le vendredi 31 janvier 2014 à 9h à l'École nationale d'administration Sise aux deux plateaux, boulevard des Martyrs. Et c'est signé Nyamia Kuna, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. En politique, nous allons nous intéresser à cette rencontre entre la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Les échanges ont porté sur la situation sociopolitique nationale et internationale. Rencontre très fructueuse selon Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR. Au cours de cette rencontre, Aïchatou Mendaoudou, représentante légale de l'ONUCI et son invité,
ont abordé des questions d'intérêt commun, celles qui touchent à la vie de la nation ivoirienne. Nous avons parlé de réconciliation nationale. Nous avons aussi parlé des futures élections de 2015. Nous avons parlé du climat social dans notre pays. Mais ce dont nous sommes convenus, c'est de faire en sorte que ces élections de 2015 soient consensuelles et soient véritablement démocratiques. Nous avons convenu qu'il faut rassembler les conditions, créer toutes les conditions qui puissent aider à l'acceptation des résultats de ces élections et surtout au contexte démocratique dans lequel ces élections doivent se passer. La représentante de l'ONUCI a quant à elle rassuré du soutien des Nations Unies pour l'élection présidentielle de 2015. Vous avez reconnu la voix de Gabriel Kiton, Abidjan, pour la région du Gor. Le président du conseil régional de cette région vient d'être investi. Joachim Djedjé Bagnon a appelé les filles et fils de cette circonscription à cultiver l'union pour le développement de leur localité. Mamadou Kouassi. Issus de toutes les couches socio-économiques, religieuses et politiques, les populations des différents départements de la région du Gor ont fait le déplacement de Gagnoua. Elles voulaient exprimer leur soutien à Joachim Bagnon Djedjé, président du conseil régional. À travers des prières et des rituels propres au peuple bété, les populations ont demandé l'assistance du Tout-Puissant pour le développement de leur région. Le président du conseil régional du Gor, Joachim Bagnon Djedjé, a pris l'engagement de booster le développement de la région tout en luttant contre la pauvreté. Bagnon Djedjé compte s'appuyer sur le projet communautaire et surtout sur le financement de micro-projets en faveur des femmes et des jeunes. Il soutient que cela ne peut être possible que dans l'unité et la paix. Chers frères et sœurs de Gor, à votre présence à tous, je voulais inviter les cadres de cette région. Je leur demande de faire en sorte que Gagnoua cesse de pleurer. Tout dépend de nous, cadre de Gagnoua. Je demande au peuple ivoirien de ne pas se venger. La vengeance appartient à Dieu et la rétribution appartient à Dieu. Pour la circonstance, le président du conseil régional a reçu le soutien de sa famille politique, le PDCI RDA. Niamey Ngoran, représentant le président Henri Konan Bédier, exhorte les populations à l'union autour de leur projet commun qu'est le développement. Leur développement local est une affaire de tous qui commande que chacun apporte l'appui et le soutien indispensable à la promotion et à la réalisation des actions de développement qui permettront de réussir la lutte contre la pauvreté. Après cette rencontre, le président du conseil régional du Gor et son équipe vont investir le terrain en vue d'apporter un mieux-être aux populations. Changeons de sujet. Intéressons-nous aux travaux de réhabilitation du collège international Jean Mermoz de Cocody dans le district d'Abidjan. Notre reporter Michel Digré nous dit que les travaux avancent bien. Les locaux de l'administration ont déjà été livrés et les inscriptions démarrent dès février prochain. En septembre 2014, à la réouverture du lycée international Jean Mermoz, l'école aura fière allure au regard de la maquette de l'établissement. Les 4 hectares du site sont en chantier sous la supervision du Bénet. Les travaux sont aujourd'hui vraiment en plein et nous pensons que le nouveau calendrier qui a été établi sera respecté, à savoir qu'il faut livrer les premiers bâtiments au mois d'avril, ensuite livrer l'entièreté du collège fin mai et les équipements viendront au plus tard, fin juillet, pour permettre la rentrée 2013-2014. Le coût de la réhabilitation, 9 milliards de francs CFA, un investissement de l'État de Côte d'Ivoire pour faire renaître de ses cendres cet établissement détruit et fermé depuis 2004 au point culminant de la crise politico-militaire. Une satisfaction pour le gouvernement ivoirien au moment où est livré le bâtiment administratif destiné aux inscriptions qui démarrent ce 17 février. C'est un grand symbole pour nous à plusieurs titres. C'est vraiment le retour de la Côte d'Ivoire dans la normalité après la crise que nous avons traversée
où il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été détruites. Cet établissement est fait aussi pour signaler la volonté du gouvernement ivoirien d'accueillir de grandes institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, dont évidemment la composition africaine de l'encadrement justifie un programme adapté, le programme français, mais aussi une ouverture. Ce sera un programme bilingue, français en anglais. La contribution de l'État ivoirien pour la réhabilitation de l'établissement lui permet d'entrer dans le capital de la mission laïque française, la structure qui gère le lycée international Jean Mermoz. À l'étranger, l'ONU a donné mandat à une future force européenne qui doit prêter main forte aux troupes françaises et africaines en Centrafrique. La présidente de ce pays en proie aux violences, elle, réclame une opération de maintien de la paix pour renforcer ce dispositif. Le Conseil de sécurité de l'ONU a également adopté une résolution sanctionnant les perturbateurs de la transition. Pendant ce temps, des ex-rebelles de la Séléka quittent Bangui, la capitale. Une colonne de camions remplie d'aide alimentaire du PAM et de matériel militaire progresse lentement en provenance du Cameroun, destination Bangui et ses centaines de milliers de déplacés. Le convoi a patienté 3 semaines à la frontière avant de prendre la route protégée par les militaires français. Voilà les premiers témoins qui ont traversé l'ouest du pays. Le pillage est énorme. Tous les villages, les mosquées sont brûlées. À chaque village que vous arrivez, il y a les hommes qu'on appelle ici, c'est les anti-balakala, armés de machettes, de n'importe quoi, prêt à abattre une personne. Aux portes de la capitale, le convoi croise une dizaine de véhicules chargés d'ex-rebelles Séléka. Avec armes et bagages, ils ont quitté le centre-ville pour un camp situé au PK-12. Ce pays est dirigé par les forces, ça est multiforce. Donc on a reçu cet ordre de la MISCA et de la Sangaris pour regrouper nos éléments, bien sûr, on l'a fait et on les a déplacés. Ils se disent prêts à se défendre contre les anti-balaka. Dans le centre-ville, comme dans les quartiers, le moindre déplacement est périlleux. Il y a des personnes dedans, il y a des gens qui sont là-bas. Cette famille, terrorisée, voulait rejoindre l'aéroport. Ils ont commencé à tirer sur nous. Ils ont tenté de jeter les grenades sur nous. Pour cela, on a fui pour venir ici, pour trouver la sécurité. Les violences sectaires se poursuivent, comme ici à Miskine, où jeunes chrétiens et musulmans s'affrontent. Et la présence de la force internationale n'empêche ni les tirs, ni les pillages, ni l'exode et les règlements de compte. Toujours hors de la Côte d'Ivoire, ce mardi s'est ouvert l'un des 4 procès de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en juillet dernier. Mohamed Morsi encourt la peine de mort pour s'être évadé de prison lors de la révolution de 2011. Hier, le Conseil suprême des forces armées égyptiennes a donné mandat au maréchal Al-Sisi pour se présenter à la future élection présidentielle prévue dans moins de 3 mois. Et puis en Ukraine, le Premier ministre a démissionné ce mardi et le Parlement a adopté l'abolition des lois anti-contestation. Ce mardi était donc une journée cruciale pour les manifestants anti-Yanukovych. En Ukraine, le président Yanukovych a promis lundi soir à l'opposition d'abroger les lois anti-contestation votées le 16 janvier. C'était l'une des principales revendications de l'opposition. Réunis en session extraordinaire, les députés ont voté mardi à l'unanimité, moins de voix, l'abrogation de ces lois répressives, vivement critiquées par les Occidentaux et qui avaient conduit à une radicalisation du mouvement. Un vote accueilli par des applaudissements. Le Parlement devait ensuite débattre d'une amnistie des manifestants interpellés lors des heurts avec la police et de la mise en place d'un groupe de travail chargé de réviser la Constitution. Pour nous, c'est très important que le terme amnistie ne soit pas compris comme une dépénalisation, parce que cela impliquerait qu'il y a eu faute. Sur la place de l'Indépendance, les pro-européens, échaudés par les manœuvres du régime, commentaient mardi l'autre nouvelle du jour, la démission du Premier ministre Mykolas Azarov et de son gouvernement. C'est très bien, il aurait dû le faire il y a longtemps. Nous espérons que Yanukovych fera la même chose. L'opposition, dont les leaders ont réitéré leur refus d'entrer au gouvernement, marque des points, alors qu'à Bruxelles se tenait un sommet en comité réduit entre la Russie et l'Union européenne.
L'Europe veut une discussion franche avec Vladimir Poutine pour clarifier ses relations avec Moscou, qui entend bien garder l'Ukraine dans son giron. La chef de la diplomatie européenne devait ensuite rencontrer à Kiev le président Yanukovych et les dirigeants de l'opposition. Une note triste ce mardi, est décédé l'artiste Bully Boabré, Frédéric, poète, philosophe, écrivain, inventeur de l'alphabet BT. Et puis je rappelle ce communiqué qui nous vient du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Tous les fonctionnaires sans poste de travail sont conviés à une rencontre avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative le vendredi 31 janvier 2014 à 9h à l'École nationale d'administration CISE, aux deux plateaux boulevard des Martyrs, et c'est signé le ministre Nyamia Kona. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, et je le rappelle, et en Afrique de l'Ouest, le plus grand avion commercial du monde, Airbus A380, de la compagnie Air France s'est posé ce soir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. L'avion transportait à son bord plus de 500 personnes, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, marraine de ce vol inaugural de l'Airbus 380 en provenance de Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Demain, à 6h30, retrouvez Maïsako. Bonsoir chez vous.